Salut à toutes et à tous, c'est Seven Falls, on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, sur une petite vidéo de Rayman Origins. Donc, ce sera une petite vidéo détente, hein. Je vais pas vous parler du jeu, par contre, je vais juste commencer par ce niveau, donc le tout premier, pour me remettre dans le bain, voilà, tout simplement. Alors, attendez, je vais juste en prendre un peu plus loin. Allez, je vais prendre celui-là, je suis un fou, moi. Voilà, donc Rayman Origins, un jeu que j'ai tout particulièrement adoré, que j'ai terminé sur PS Vita. Et du coup, bah, je me suis dit, il faut que je le rachète sur Xbox. Donc voilà, c'est parti, mon kiki. Hop. Allez, c'est parti. Non, je vais pas faire le défi chrono. Allez, c'est parti. Donc je vais faire une, comme je l'ai déjà dit, une vidéo, entre guillemets, détente. Hop. Donc on va s'amuser, on va pas se prendre la tête à faire des tests, etc. On va juste, hop là, passer un bon moment ensemble, tout simplement. Oh punaise, tiens, tu prends ça dans ta tronche. Oups, putain, boum. Allez, hop, c'est parti. On va essayer de prendre les nusmes qui sont là-dedans. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des petites bulles qui vous indiquent qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur de ce machin. Hop, là, comme là, par exemple, vous voyez qu'il y a plein de petites bulles. Enfin, oui, des petites bulles. Et hop, ça nous donne des lums qui sont présents depuis un certain nombre de temps déjà dans les Rayman. Nos chers amis, les lums qui sont toujours menacés. Oh, les pauvres bêtes. Allez, hop. Toi, je te défonce la tronche, putain! Hop, hop, faut que je prenne le. Ah ouais, faut. Faut tomber pile poil bien là. Ouais, ok, je suis pas tombé pile poil bien, justement. D'accord, ok. Bah, de toute façon, on s'en fout des lumes, je suis bête. Moi, je suis là pour faire le niveau, puisque de toute manière, j'ai terminé le niveau déjà à 100%. Hop, allez. On va le faire en vitesse grand V, comme ça. Oh putain, d'accord. Lui! Je l'avais pas vu. Allez, c'est parti. Donc, c'est vraiment de la plateforme pure, simple et dure. Voilà, enfin, dure, oui et non. Parce qu'en fait, si vous voulez, au début, c'est assez simple. Là, c'est juste parce que je fais un peu le con. Oh, punaise. Hop. Franchement, à la fin, oh là là, c'est vraiment un truc de hard. Comment que j'ai pété mon câble sur la PS Vita. Enfin, je l'ai pas frappé parce que c'est quand même. J'ai pas balancé ma console parce que c'est quand même, ça coûte quand même cher. Hein. Hop. Youhou. Hop, oh, punaise. Tiens. Ouh, la tri. Tac. Voilà. Hop là, la musique est juste magnifique. J'adore les musiques du premier monde, je crois que c'est la meilleure. Oh bah là, sur le coup, d'accord, ok, sur le truc, faut que j'aille. Oh, par contre, là, c'est mauvais pour moi. Ah, bah, non, c'est bon, ça passe. Non. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Faut juste que je réussisse à monter sur ce truc. Hop. Hop, hop. Tiens, bim, toi. Hop là, tac. Donc pour le moment, j'ai encore pas entendu. Ah, mais peut-être que je peux pas les prendre. Parce qu'il y a des caches cachées un peu à la Rayman 2, si on veut. Allez, descend. Hop. Comme par exemple, là, vous voyez que juste au-dessus. Attendez, faut que je vous y montre quand même. Hop. Comme. Hop là. Comme là, vous voyez, il y avait à cet endroit-là une porte. Ah bah, tenez, voilà, nickel, on peut y refaire. Où justement, il y avait des caches cachées qui. Donne les électrons justement. Hop. Et vous les entendez par les petits bruits qu'elles font. Donc les youpi, comme ça là. Hop. Ça vous permet de les localiser dans le niveau, si je puis dire. Oh tiens, prends ça toi. Et hop. Et hop. Non, montre. Oui, bien joué. Hop, allez. Tiens, prends ça toi. Hop, hop là. Nickel chrome. Allez, c'est parti. Et là, hop, voici les électrons, les petits ronds violets justement. Et c'est parti. Hop, allez. Hop, boum. Tiens toi, hop, voilà. Donc là j'y fais vraiment en speed, on va dire. Pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai déjà tout débloqué dans ce monde. Enfin je crois, si il me semble, j'ai tous les électrons que je voulais avoir. À part bien sûr, j'ai pas les trophées contre la montre. Tiens toi, tiens toi. Tiens toi, tiens toi, tiens toi. Le mec, il se répète, tu vois. Hop. Est-ce que je peux le toucher comme ça? Tiens. J'aimerais bien monter, par contre. Et ben voilà. Je suis remis un peu dans le bain, on va dire. Allez, 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 allez. Schnell. Oh, merde. Faut pas quitter la petite intro. Ah oui, puis là, ouais. Là, c'est assez marrant, ça, la collecte de l'homme. Bon, voilà, j'ai juste un seul électron. Logique. Ouais.
tac, voilà, allez, c'est parti. Allez, 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 allez. Oh, retour à la croisée des rêves. Donc, la croisée des rêves, c'est là où vous choisissez les mondes où vous voulez aller. Voilà, logique, tac, là, on va retourner à l'arbre, ronfleur. Et on va prendre le niveau. Voilà, alors, oui, voilà. Tac. Et je vais en prendre un. Voilà, meilleure musique. Pourquoi pas. Le mec il... Hop là. Et hop là. Et hop là. Hop là. Franchement, Rayman, j'adore. Franchement, c'est vraiment par contre dommage qu'ils ont pas continué à faire des Rayman comme Rayman 3 qui était juste énorme. Hop. Oula, c'était assez bizarre ce que je viens de faire là. Hop là. Voilà. Qui est juste pour moi le meilleur Rayman à ce jour. Rayman 3, voilà. Donc Rayman 2, Rayman 3, c'est juste des jeux mais géniaux quoi. Hop. Mince, tant pis. Ça, c'est pareil, j'ai déjà tous les bus. Hop là. Et hop là. Tiens, toi, prends ça dans ta tronche, mon gars. Hop. Tac, voilà. Là-dessus, tac, nickel. Oh, comment je fais pour descendre? Bah, tout simplement par là. Voilà. Hop. C'est quand même, ça fait quand même du bien d'avoir des fois des bons jeux de plateforme. Oh non, c'est bon. Des bons jeux de plateforme comme ça, là. Hop là, ça, c'est les enlève. Tac. Ça change des jeux, des FPS où on a vraiment une surdose en ce moment là. Et pas que des bons en plus malheureusement. Tadam. Ouh c'était juste. Oh j'ai fait faire électrocuter les fesses. Ça aurait pu être violent. Et hop là. Et hop là. Et hop. Oh punaise c'était beau. Oh, il y avait une pièce au dessus. Bah tant pis. C'est trop tard. De toute façon on s'en fout. Tac. Voilà si vous cherchez pas à prendre les lumes. De toute façon les niveaux ils sont assez assez tout cons hein. Hop par contre si vous cherchez à prendre les lumes. Oh mon dieu. Oh là fallait que j'aille là avant par contre. C'est mieux. Voilà. Voilà. Ça fait quoi le... Je pense que c'est un peu obligatoire surtout. Ah oui, sinon vous passez pas. Ah, comme ce truc là il est assez chiant. Parce que. Hop là, faut être vif. Il faut être super vif. Hop, nickel. Hop, hop. Voilà. Tac. Nickel. N'empêche que en jeu de plateforme, c'est vrai qu'on a pas grand chose quand on y pense. On a quoi? Rayman, Mario, Pirates et Clank, c'est tout. Enfin, de oh punaise, merde. De bien connaissable. Enfin, c'est pas français, mais bon, vous voyez ce que. Oh, je suis mort. Je suis en train de réfléchir. Oh, bah, on a sûrement d'autres jeux de toute façon, mais. Oh putain. Je suis en train de réfléchir là. Des jeux de plateforme que j'ai joué sur Xbox. J'ai que celui-là, moi, que vous considérez après Prince of Persia comme jeu de plateforme. Enfin, moi, je considère pas du tout comme jeu de plateforme, mais bon, après. Je sais pas. Je sais pas trop sur le coup là. Ah, punaise. Il y a sûrement un autre truc. Il y a un truc au-dessus là, obligé. Ah, oui, d'accord. C'était des petites caches cachées. Hop. Par contre, j'ai fait un truc tout à l'heure, je sais pas comment j'ai fait, pas mal. Oula, 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 ça passe. Et hop. Vous avez également les coffres à pâte. Ah, faut que je vous en montre un coffre à pâte. Obligé. Ah là, ça c'est juste obligé. C'est juste énorme, mais. Oh, mon dieu, qu'est-ce que c'est dur. Hop, pour les débloquer, il faut avoir un certain nombre d'électrons. Oh bah, regardez, j'arrive à avoir 200 machins. Oh putain. 100 3 forcés, on va dire. Hop. Et là, il faut que je fasse à deux. Allez, donne-moi ton YouTube. Merci. Enfin, ton Lumus. Tac. Donc, c'est le scénario de ce jeu est quand même un peu bison par contre par rapport aux autres. Faut l'avouer. Enfin, il y en a limite pas carrément. Allez, 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 allez. Comme je montre les coffres à pack là qu'on s'amuse avec ces machins. Alors, en plus, la musique elle est juste énorme. Une espèce de musique de country quoi. Avec la tête de tin, tin, tin. Enfin, vous allez voir. Allez. Voilà, merci. En plus, il y a quasiment. Les temps de chargement sont vraiment pas longs dans le jeu, c'est juste énorme. Et vous avez plusieurs possibilités aussi, vous pouvez avoir plusieurs personnages. Ça aussi, c'est pas mal du tout. Et hop. Je vais prendre celui-là en fait, je vais pas dû changer de niveau. Hop, voilà, voilà, il est juste là. Tac, nickel. Voilà, je vais pas vous montrer les. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais retourner à la. Retour à la croisée des rêves. Est-ce que je peux pas le faire peut-être ? Je peux peut-être le faire qu'une seule fois. Ce serait dommage. Ah non, voilà. C'est
C'est juste trop 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 compliqué quoi. C'est là-dessus que vous pétez le plus de câbles, de toute façon. Hop là, allez, ça s'est fait. Normalement, en plus, je meurs pas à cet endroit-là. Allez, hop. Non, là, vous avez pas besoin de voler. Là non plus. Hop, nickel. Nickel. Hop. Oh, ça va durer. Ah là, c'est... Ah là, plus vous avancez vite, en plus, plus le machin, il accélère. C'est juste horrible. Allez, 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 allez. Ah, ça passe. Là. Oh oui. Oh non, c'est pas fini. Oh, j'ai géré. Ah, oh, comment j'ai géré. Oh mon dieu. Ah, je suis content, là. Ah, je m'envoie un peu des fleurs. Je suis désolé, je suis navré. Mais alors, franchement, là, avouez. Avouez. C'était pas trop mal, c'était pas trop mal. Voilà, je vais un peu troller, mais par rapport à ce que fait Diablo X9 dans son let's play, il a fait carrément presque un épisode dessus, c'était assez énorme. Voilà, donc enfin bref, pour ceux qui ont vu, ils comprendront. Oh non, faut que je monte, Mosquito. Oh ouais, non mais attendez, je vais vous montrer un coup le palais des glaces. Ah mais j'ai pas fait encore. Mais c'est parce que, juste pour le décor, mais qui est d'une beauté juste énorme. Juste énorme, énorme, énorme. Voilà. Yep. Oula, excusez-moi. Youhou! Je suis un pingouin. Merde, ça se casse la gueule. Vous voyez, c'est juste... Pour moi, je pense que c'est l'un des niveaux... C'est pas facile comme niveau, parce que vous glissez, en fait. Mais sinon, qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il est beau. En plus, vous pouvez vous faire... Ah! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux nager? Oui, mais par contre, est-ce que je peux... Oui, d'accord. Ah, d'accord, ok. Je peux peut-être passer avec ça pour aller voir prendre quelques trucs. Voilà, oh putain, yes. Ah, c'est assez kiffant là leur truc. Boing, boing, boing. D'accord, qu'est-ce que c'est? Tu as ambulé 11 ennemis sans toucher le sol dans le palais des glaces. Ah, d'accord, d'accord, ok. Hop, je déconne. T'es tombé à notre cupstaff, c'est... Hop, punaise. Allez, monte au-dessus. Bien joué, mon dieu, bien joué. Et là, on va voir le dose de machin. Ah, faut que j'essaye d'en prendre quand même. D'en prendre. Oh, ce français, oh putain. Ah ouais, tiens, c'est vrai, faut faire quoi là? Ah bah voilà, ouais, juste ça. Faut que je m'applique un peu dans ce monde. Youhou, youhou. Oh non, 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 non. Voilà. Là, il faut sauter. Voilà. Non, oula. Ah, j'ai fait le con. Ah non, c'est bon, ça va. Sans plus. Hey, hop là. Ah, ça va un peu vite pour moi. Voilà, merci. On se croirait presque dans Sonic, hein, mine de rien. Oh, punaise. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché dessus? Ah, c'est vrai. Oh, j'avais oublié. Les fourchettes vous piquent le cul. Les fourchettes vous piquent les fesses. Et stop, parce qu'il y a encore un machin là. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Ah oui, il faut passer encore au-dessus. J'ai oublié ce détail. J'ai oublié ce détail. Je vais me faire exprès de mourir. Non, je dis, je meurs. Voilà. Faut que je meurs pour avoir les lums. Là, il faut que je saute là, comme ça. Là, faut que je passe là. Voilà, nickel. Ah non, non, peut-être qu'il y a un truc là au-dessus. Non, il n'y a rien. Hop là. Il m'en manque un. Nickel. Oula. Youhou. Ah non. Ah là, j'ai senti là. En fait, il faut que j'attende. Il faut que je fasse gaffe. Allez. Cette fois, c'est la bonne. Hop. Non. Oui. Avance. Yeah. Good. Voilà. Non. Ah. La fourchette va me piquer si je continue. Yeah. Hop. Voilà. En fait je glissais pas trop avant, mais ça aide en fait. Ah ouais, attends, là faut que je... Voilà. Quel con. Voilà, c'est juste énorme ce niveau, franchement. J'adore. Non! Oh! T'as point de temps! Ah bon? Ah oh, carrément! Hop là! C'est assez stressant ces fourchettes là.
Ah, en fait, c'est pas si loin que ça. Je suis mort juste après, je crois. Je sais plus ce que j'ai fait d'ailleurs. Ah, bah, c'est la fourchette qui a dû me piquer le cul encore. Voilà, attendez, je vais attendre. Oh non! Je fais pas le con, faut que ça me tue les machins en bas là. Hop! Bon, ce qui me stresse un peu là, c'est que je suis cool, y a pas de. Attends, ça glisse là. Ça monte, ça glisse, ça fait je sais pas trop quoi. Oh punaise! Y'a pas de. Attends, c'est obligé là. Non, y'a rien. Je cherche les caches cachées. Oula, t'y arrives. Bon, y'a ça là, visiblement. Le truc, il ressemble déjà pas à James Bond, tu sais. Enfin, je sais pas, ça me fait penser à James Bond, quoi. Enfin, pas ça, par contre. Ah ouais, là, attends, c'est d'arnaque, parce que là, vous en avez en haut, des lunes sont en bas. Et en plus, oh, j'aurais dû prendre en haut. Il faut passer en haut. Tac, voilà. Laisse-moi sortir, sale bête. Allez, c'est parti, chop. Hop, voilà, je suis passé en haut. Par contre, ouais, ça passe. Il faut que j'y reste. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Ah, c'est pareil là, faut aller en haut ou en bas? Je vais aller en haut. Ok, il m'a tué. Ah, d'accord, en fait, il n'y a pas de... Oui, oui. En fait, je crois que le pouvoir-là, il nous permet de passer dans les tout petits trous, en fait. Je dis bien, je pense. Hein. Hop. Putain, j'avais pas du tout capté le truc. En fait, il n'y a pas de solution de passage, après. Faut foncer, tête baissée, comme on dit. Blablabla, voilà, là, on s'en fout. Ah, cours! Allez, tout, vous voyez, il a changé de taille, il est tout petit le truc. Ah! Comment on fait? Oh punaise! Oh, d'accord, ok. Ouais, bah j'aurais su. Voilà, c'est ça qui dure longtemps, qui fait durer les trucs longtemps, en fait, c'est vraiment d'essayer d'avoir le plus de lumps possible. Sinon, le jeu est pas si hard que ça, en fait, en gros. Mais ce cas, c'est que si vous chopez pas de lumps, vous ne chopez pas d'électoon, et vous ne finirez jamais le jeu à 100%, tout simplement. Hop. Allez, allez, cours. Voilà, jusque-là, ça va. Et après, mon dieu, que ça se gâte. Bah, à partir de là, en fait, surtout. Ça va, le machin, il nous attend encore. Voilà, j'ai pu choper quelques lumps. C'est pas trop mal. Il y a un truc au-dessus, là. Est-ce que vous le voyez? Je pense que vous le voyez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur Start. Tiens! Festin de fées. Eh mais j'ai bien fait jouer à ce jeu, je débloque des trophées et tout. Des succès, pardon. Oui, parce qu'en fait, le truc assez amusant, c'est que je suis sur Xbox, je parle de trophées, quand je suis sur PS3, je parle de succès. C'est assez, enfin bref. Allez, allez, cours. Ouais, je change de taille, ça c'est juste énorme. Attendez, est-ce que... J'avais cru entendre des youpi. Ah ah! Ouais, bah non, de toute façon là. Ah, peut-être. Tu sais, il y a des youpi, j'ai pas rêvé. Attendez, peut-être. Où? Histoire dans une file. Bah, bref, on s'en fiche, j'y referai après au pire. Ah oui, d'accord, ça y est, je vois, il est. Elle est là. Merde! Non! Comment je fais? Je peux pas passer. Comme ça. Oh! Voilà, le truc c'est... Oh! Le machin. Le mec a trouvé le truc, c'est... Oh! Tiens! Voilà! Bim! Parfaitement
Parfait. Allez, on continue. Ça, ça sert de checkpoint également. C'est plutôt pas mal. Allez. Là, je change de taille encore. C'est plus hard hein, quand vous êtes petit. C'est moins contrôlable. Ça passe. Je baisse au cas où. Ça m'empêche pas de prendre les lumps. Oh putain. Ouais, je l'ai eu. Ah non, 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 non. Ah zut. Ah, comment je fais là? Ah mon dieu, ça se casse la gueule de plus en plus. Je pense qu'il faut que je... Allez, saute. Merde. Il faut choper la tige, Ray. Allez. Je peux le faire. Enfin, je pense. Ah. C'était limite. Ouais, mais non, mais là, ça va juste pas être possible. Voilà. Donc, vous voyez que pour faire vraiment les lumes, c'est vraiment un truc de malade, quoi. Faut vraiment connaître limite les niveaux par cœur, en fait. Oh, punaise. Oh, je me fais peur à chaque fois avec ces oranges, là. Les oranges compressées, quoi. Ah, vite, vite, vite. Ah, yes, je l'ai eu. Je m'en fiche. Par contre, j'ai juste plus de... Tac, voilà. Bon bah eux. Voilà. Tac. Du moment que j'ai 300, je m'en fiche. Ah, il y a un cœur là. Cool. Oh, comment je fais pour l'avoir lui? Ah! Je recommence d'où? Ah, ok. Pas loin. Tant mieux. Oh, comment faut faire? Ah, je sais. Enfin, je pense. Vous voyez comment que c'est dur? Hein, quand je vous dis que c'était pas facile. De toute façon, c'est de la difficulté progressive. Quand... Ah, non! Non! C'est con! Ah, mais comment faut faire? Peut-être passer par en dessous. Non, bah non. En fait, c'est surtout de vous taper deux fois le truc. Comment je comprends pas? Heureusement qu'il y a le cœur. Oh oui, c'est bon. Ouh. Un coup. Oh, c'est pas le moment de tomber. Non. Ah, mais ça va trop mal quand vous êtes petit. Ah. En plus, tu lui fais pas mal, quoi. Ah, ça y est. Ah, youpi. Il y a des youpi quelque part. Attendez. Non, c'était à l'avant. Youpi! C'est en bas. Ah, faut les trouver leurs trucs. Oh punaise, juste en ombre comme ça. Ah, puis les fourchettes elles bougent. Allez hop là, yeah bah, cool. Normalement, je dis bien normalement, je pense que je devrais avoir tous les lumes nécessaires à la construction de mon Electoon. Allez. Ah non. Ouais bah je pense que si, de toute façon ça fait plus youpi. Allez, quel con, allez, oui. Yes. Ah. Il y a peut-être quelque chose au-dessus. Tiens-toi. Ah, je pense que c'est la fin derrière. Ah ouais. Bon bah voilà, c'est la fin du niveau. Cool. Par où je commence? D'accord, je vais pas aller commencer par là. D'accord. Hop. Allez, nanana. Ah, reviens. C'est juste beau, regardez le palais derrière. Oh mon dieu.
Et voilà. Nickel, normalement je devrais avoir tous les icônes, enfin j'espère du moins. Tout du moins. Continuation, attention, attention, suspense. Ouais, c'est bon. Oh bah oui, largement. Mon dieu, j'ai pas la couronne par contre. Bim. Allez, 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 allez. Voilà, donc je voudrais montrer un niveau de chaque truc que j'ai débloqué. Donc faut savoir qu'il y en a 6 ou 7 de niveaux en tout. Enfin, il y en a un paquet. Je sais plus exactement combien. Attendez, il faut que je voie le truc. Tac, voilà. Il y a des sous-niveaux encore. Donc oui, il y en a un sacré paquet. Enfin, la durée de vie est assez conséquente en fin de compte. Hop, retour à l'arbre ronfleur. Ah, d'accord. Hop là, il manque plus que la contre-la-montre à voir. Cool. Allez, allez, allez. Retour à la croisée des rêves. Voilà, donc en fait, en gros, si vous voulez, il y en a. Il y a celui où je suis, il y a celui-là, puis celui-là, là. Hop. Et il y a celui qui est juste. Il y en a encore en bas, puis je crois qu'il y a un truc au milieu. Vous avez encore des trucs qui se débloquent à droite. À droite des deux là. Et celui-là là-bas en bas, il y en a. Celui-là, il y en a un à gauche. Et l'autre, il y en a un en bas, je crois. Enfin bref, il y a un sacré paquet de niveaux. Enfin, il y a 4 niveaux divisés en 2 en fait, en gros, si vous voulez. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je voulais vous dire. Et les autres, je peux vous dire qu'ils sont assez hard. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo détente sur Rayman Origin vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et salut à tous. Ciao ciao.